que j'aime bien, c'est de pouvoir retrouver régulièrement sur les terrains de concours, de niveau amateur jusqu'aux internationaux, l'attente de France Complet et toute l'équipe, de pouvoir passer un bon moment tout au long des concours et de pouvoir être supporté, être pris en photo et puis de pouvoir passer un bon moment sous la tente. Voilà, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une association qui regroupe tous les membres de la filière, les professionnels, les amateurs. J'ai pu participer à une reconnaissance de cross commentée par Luc Château via l'association France Complet. Et j'ai pu profiter donc de son expertise sur la reconnaissance du CCI Une Étoile à Bertichère, ce qui m'a permis de réaliser un bon cross maxi. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir pu faire cette reco avec un professionnel, puisque je suis amateur et j'ai pas de coach en complet. J'y adhère depuis plusieurs années maintenant. C'est une association qui soutient la filière, qui vient en aide à vraiment tous les acteurs de la filière, que vous soyez pro ou amateur ou éleveur, propriétaire. C'est une association qui est vraiment faite pour tout le monde, donc j'espère que vous allez vite adhérer et qu'on se retrouvera sous la tente France Complet pour passer des bons moments. À bientôt. Alors nous, ce qu'on aime bien chez France Complet, c'est d'abord qu'on parle un peu de nous, quoi. Un peu faux. Alors voilà, tous les articles qu'on dit sur les cavaliers, les chevaux, comme quand on voit Taïna Dizil. Par exemple, surtout Taïna Dizil. Voilà, on est bien content de lire ces beaux articles sur les cavaliers, les chevaux, les propriétaires, ainsi de suite. Et puis, aujourd'hui on est déguisés, oui, hein, oui. Donc on est content aussi de... Le challenge des coachs, ça c'est quelque chose d'important. On a aimé le concours photo challenge des coachs. On a sorti le meilleur. On a gagné. Grâce à Pierre, notre collègue, notre coéquipier. Et créateur. Avec nous aujourd'hui, qui est remplacé par la mascotte, Ninja. Voilà. Et voilà. Donc, on est content d'être à France Complet. Vive France Complet, voilà. Et puis je trouve que les actions menées par France Complet, que ce soit le challenge des coachs, le circuit des amateurs pour les 7 ans, et puis aussi récompenser les meilleurs jeunes chevaux aussi de génération, ça c'est une bonne idée. Alors les journées du complet, eh bien c'est franchement c'est une très bonne initiative. Et c'était la première fois où j'avais la possibilité de venir faire ces journées. Et c'est vraiment un partage de plein de connaissances, de conférences, on apprend plein de trucs. Pourtant, ça fait un bon moment maintenant qu'on a des chevaux, mais c'est vrai que toutes les conférences sont super intéressantes.